Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Heart of Iron avec le mode Kaiser Redux et on peut enfin avoir un état-major militaire donc. Voilà, puissance de feu, je la prends. Général en chef, donc on va prendre quoi? Je prends un général ici, je vais prendre Metro, Division Speed, Entrenchment. Voilà. L'Uruguay gagne la Coupe du Monde, bah bravo les gars, hein. Je sais pas la Coupe du Monde de quoi. Peut-être de main-balle, je sais pas. Allez, finissez-moi ce putain d'Afghanistan de merde. Le meurtrier de Rasputin. Un article a été publié dans la presse critiquant notre tsar, Dimitri et Youssoupov. Ils disent que c'est eux qui ont tué, qui sont responsables de la mort de Rasputin. En même temps, ils le méritaient, hein. Nous, on a jamais su comment était mort Rasputin, hein. Voilà, la maison d'Afghanistan, ça se fait bien? Parfait. C'est bon, c'était annulé, super. Allez hop. On poursuit la maison d'Afghanistan. C'est qui chef de cette guerre de merde? Nous, les peuples Girgas. Ok, la Russie est une indivisible, ça a toujours été le cas. Elle sera à jamais. Pas de raison que ça change. Donc, technologie, on est en 38 seulement. Hein. On va chercher quoi? On va une nouvelle ère de prospérité, parfait. Il n'y a plus qu'à fumer l'Afghanistan maintenant. Mais les gars, il n'y a rien à Kaboul! Vous avancez à Kaboul? Vous prenez cette putain de ville? Vous foncez vers Kandahar? La capitale c'est Herat maintenant, vous me prenez ça? La plaine de l'ouest c'est que du désert, l'est c'est de la montagne, mais les chars vous allez à l'ouest! Tout vers Kandahar. Et les baiseurs de chèvres des montagnes là, on va les fumer. Alors, ma faire réforme judiciaire, aïe! KPD et VNS. Non-partisans. Toujours avoir les non-partisans, parce que non-partisans, eux, ils font monter aucun parti. Donc, mieux vaut essayer de les avoir avec nous. Donc, toi. Faut que je mettrais un expert de l'embuscade. Offensive doctrine. Putain, il est déjà à 7, le Denikin. Oh, tu me plais, toi, Denikin. Tous les corps contrôlés de l'Alash Horda sont dans les corps de l'Empire russe. Parfait! Ça monte la population, super! Et vous par contre, qu'est-ce que vous foutez là? Vous attendez? Eh, on go Kandahar, hein? On prend cette putain de ville? Jalalabad. Bah ça y est, ça y est que c'est. Bon. Déjà, Turquie sans Cana. On prend tout. Le combien de points? 190, c'est l'Afghanistan. Ah ben. À la foutre. Je demande les deux. Yep.
Je prends tout. Ça y est, tout est annexé. Super. Bim. Allez. Hop. C'est réglé. Toi, par contre, tu vas être à la frontière de l'Iran. Et tous les rouges, reviens là-haut. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de décision alors? On va voir. C'est bon, j'aurai le soutien. Déjà, le dessin du Kiva. On réintègre le Kiva. Kokand, on réintègre. Boukaka, on réintègre. Azerbaïdjan, on réintègre, parce que c'est mes claims. Azerbaïdjan. Un peu pète, parce que c'est toujours une source d'emmerde à l'Afghanistan. L'émirat d'Afghanistan sous mon autorité. Ici, soit à faire. Est-ce que je peux prendre 38? D'ailleurs, un truc très simple, par contre, toi. Toutes tes troupes, tu vas les filer à l'autre con, là. Et toi, rentre toutes tes troupes blindées, ce sera. L'idée sera en fait d'avoir. T'es balèze avec l'infanterie, donc je vais te mettre. Toi, tu vas être ici. Et toi, qui es super bon avec les blindés, en fait, tu seras juste en fait une. Une tête de pont ici à Tsaritine, pour forcer un peu. Là, il va voter pour la bille, mais évidemment qu'il va voter pour la loi, le Sénat. Il est soutenu par 80 sénateurs. Ok, le rasanisme s'efface. Il n'y a pas eu beaucoup de soutien de la population, tu m'étonnes. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire une loi? Une loi de prospérité. Parfait. Donc. On va essayer de faire le focus sur. Ouais, c'est l'expansionnisme. On va essayer de faire un peu de réel politique. On va être cynique. J'hésite un peu. Je fais du cynisme ou de la. L'expansionnisme. On aura beaucoup plus d'expansion. Ouais, parce qu'en plus, ça me donne plus des. Ça me donne plus de. D'options, c'est intéressant. Ah. L'ancien lord de l'amirauté Winston Churchill a écrit un bouquin, Notre Finest Heure. Totalement irréaliste, évidemment. Hein. Une Union soviétique qui collaborait avec une Allemagne ultra-socialiste qui aurait perdu la Première Guerre mondiale. C'est totalement irréaliste, bien sûr. Bon, ma loi de la justice a passé, super! Donc déjà, production, passons à l'artillerie améliorée déjà. Et Pekut Nava là. Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Pekut Natia là. Edith, ils ont pas rajouté un petit peu à toutes nos troupes du l'anti-air. Non, c'est l'anti-air, tiens. Dès qu'elle a fini, on va la on l'annulera.
Et vous, ce que le problème, c'est que vous n'avez pas assez de char léger. Je ne peux pas mettre plus de l'infanterie motorisée partout là. Putain, mais ça booste bien l'artillerie de support, hein, hop. Le technical naval, on s'en fout un peu. Il manque quoi? Il manque du caoutchouc. Bon, on va essayer de faire un chat. Tiens, du caoutchouc. C'est où le caoutchouc? C'est là. Des usines synthétiques. Allez hop. Voilà, ça ira largement assez, je pense. Et après, on fera encore de l'usine militaire. Enfin, plus d'usine civile. Je continue les usines civiles vers le bas. Chier, je les veux là. Qui trouve une civile à la suite. Milioukov Dardanelle. Il veut qu'on récupère les territoires. Et qu'on récupère Constantinople. Pourquoi pas, après tout. Bon. Venise veut passer. Privatisation du chemin de fer. Ça, par contre, on va. Il a pas ses députés. Il a pas ses députés. Une petite cérémonie, là, une messe pour la mère patrie, parfait. 8 septembre, je sais pas quel date ça correspond pour les Russes, le 8 septembre. Et bon. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Après, on va essayer de faire, évidemment, récupérer le Caucase. Porte de l'Inde, j'ai déjà ça. L'accord de Moscou. J'ai déjà fait ça. Je pensais que c'est pas déjà. On va faire ça, s'occuper des Cosaques, après on fera dans le Caucase. Alexandre Porotrov meurt, un vieux menchevique. Qu'est-ce qui s'est encore passé en Amérique? Oh, ils ont relâché l'État de l'Union qui est puppet de l'American Union State, ok. Et son guerre contre William Lady et les syndicalistes. Oh, putain, une gueule, Heywood. Nouvelle-Angleterre. Le Canada est en guerre avec les autres au sud? Non. Regardez-le, Edouard VIII, avec cette petite cigarette là, il a l'air tout chou. Allez hop, je vais venir capituler. S'occuper des Cosaques, on va s'occuper de leur dire. Vous voulez revenir dans l'Union, les gars? Qu'est-ce qu'il veut? Des menaces avec les gardes. J'ai fait une connerie, moi d'ailleurs. La dernière loi n'est pas passée, bah tant mieux. Oh merde. Bon, par contre, mes avions là. Kiel Romanov est mort, voilà. L'emmerdeur. D'ailleurs, niveau aviation, on ne produit pas beaucoup d'aviation pour les.
C'est un interwar, mais bon. Les avions pour bombarder là, parce que là c'est le. La frame. Les bombardements de ville, c'est lequel? Là, t'as celui qui fait l'interception, mais lui, la large airframe, là, c'est pour faire le bombardement tactique, pour faire le bombardement stratégique. Ouais, c'est l'inverse. Je peux pas recruter un autre avion qui serait un peu plus efficace. C'est stratégique. Voilà, ça c'est pour faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des trucs en plus? Je sais pas, j'ai pas fait une connerie avec les cheveux là. On va changer les alliés aussi. On s'occupera d'améliorer ceci. Quand j'ai la propriété privée. Comme décision, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La question de l'État autonome, là, soutenu par les Allemands. Par contre, là, je suis bien par les religieux qui me cassent les pieds. Oh, putain, le mec, il a une liste de titres qui est. Et autres, et autres, et autres. Alors. On va les agitateurs pour commencer ça. Et après, on va faire un plébiscite. On agite et après on demande le plébiscite. Si on peut. Hein. On peut ou pas? J'aime pas. C'est la merde. Bon! Parfait! Yes! Ça a marché! Géorgie! Parfait, on a réintégré pacifiquement toute la région. La rendre absolument chaotique. Le sublime état ottoman, par contre, il va falloir s'en occuper bientôt. Soit. Je pense que l'état ottoman, j'essaie de le faire de manière diplomatique. Manque d'entière, il faut faire avec plus entière. Production, c'est l'entière. Je veux plus entière là, je veux de l'entière, de l'entière, de l'entière. Alors, sort donc au Caucase. On réintègre toutes les steppes Kouban. On réintègre. Là, je suis en train de faire des réformes économiques, hein. Je vais pas faire non plus que du politique, que du bourrinage. Il finit en combien de temps ça? 5 jours? Bah parfait.
Parfait. On va monter dans le Caucase maintenant. Modifier le gouvernement, je peux modifier le gouvernement. La mobilisation partielle à 100. Je peux également faire quoi ici? Barre à l'artillerie, j'aime bien le barre à l'artillerie. Ah, la République du Montagnard, vous savez. C'est pas dur. On l'intègre. C'est à nous! Bah tiens. Legation City, c'est fini. Complètement effondré, les mandats n'existent que sur le papier. Comme quoi, ben, ils nous ont virés. Ok, bah amusez-vous. Super votre truc, hein. Ça a vachement été utile, hein. Oh mon dieu, les Ottomans. L'homme malade peut mourir. Oui! L'Ottoman risque de crever. La guerre dans le désert. Rébellion du Yémen. Parfait, ça m'arrange ça. Et je m'arrête pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye tout le monde!